Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la radio-télévision Jésus vous aime, RTJVA, bienvenue à votre émission Sport et Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles nous devons faire le sport. Dans cet élément sportif, nous allons prendre connaissance des raisons pour lesquelles il est indispensable à un être, à une personne de faire le sport. Le sport est très important dans la vie de tout individu. Nous ne le dirons jamais assez. Mais permettez-nous de citer certains éléments pour lesquels il est important que toute personne, qui que tu sois, chrétien ou pas, le sport est important dans la vie de l'être humain. En première position, le sport prévient des maladies. Le sport permet à l'être humain d'être en bonne santé. Après cela, le sport permet à l'homme de se déstresser. Le stress tue. Et pour cela, il est important que l'être humain fasse du sport pour éviter le stress. Le sport augmente la masse musculaire. Quand on parle de la masse musculaire, elle est différente de l'obésité. La masse musculaire permet à l'homme d'avoir des muscles en bon état, mais en même temps diminue la graisse. Le sport donne également la confiance en soi. Toute personne qui pratique le sport est confiante. Elle a cette confiance en soi et est toujours confiante en tout ce qu'elle fait. Le sport fait chuter la pression. Souvent, il y a des gens qui sont tendus, ils sont sous pression. Mais quand on se donne au sport, quand on fait le sport, la pression qui est sur l'homme chute. Le sport permet à ce que la pression artérielle et le cholestérol aussi diminuent dans l'organisme de l'homme. Le sport rend l'homme heureux. Il est très important, si nous sommes un peu anxieux, nous sommes dans une tristesse donnée, il faudrait que nous puissions nous donner au sport pour pouvoir avoir un peu cette joie de vivre. Le sport augmente l'endurance. Le sport permet à l'homme de pouvoir résister, de pouvoir tenir face à certains éléments. Le sport également permet à l'être humain d'améliorer la concentration. Pour que quelqu'un puisse se concentrer sur un travail donné, sur l'étude, sur la lecture de la Bible, sur la prière, il faudrait faire du sport. Parce que le sport permet à l'homme de pouvoir se concentrer. Le sport fait perdre du poids. Comme nous le savons bien, les docteurs l'ont toujours conseillé. Pour que nous puissions perdre du poids, il faudrait faire du sport. Il faudrait que nous puissions nous exercer. L'exercice physique permet à l'homme de pouvoir diminuer la graisse qu'il y a dans l'organisme. Le sport renforce l'organisme sur tous les plans. Donc, pour résumer, nous disons, dans cet élément sportif par rapport à la santé, que le sport permet de prévenir des maladies, le sport permet de se déstresser, le sport augmente la masse musculaire, le sport donne confiance en soi-même, le sport fait chuter la pression artérielle et le cholestérol, le sport rend heureux l'être humain, le sport augmente également l'endurance, le sport améliore la concentration d'un être humain, le sport fait perdre le poids. Et enfin, le sport
renforce l'organisme. Voilà un peu, en ramassé, la raison pour laquelle nous devons faire du sport. Merci. Nous allons passer à l'actualité sportive du jour. Et dans cette actualité sportive, nous allons parler de la D1 Lonato qui a fermé ses portes sur la phase aller de ce championnat. La D1 Lonato a mis fin à la phase aller ce week-end dernier avec des fortunes diverses. Mais la grande leçon à retenir est que ASCO est sacré champion de la mi-saison. Avant d'en venir à ce résumé de la 15e journée, qui est la dernière de la phase aller, suivons le résumé de la 14e journée du leader face au dynamique togolais Dito. Ce match qui opposait le leader à Dito, le dynamique togolais, a pris fin sur un score d'un but à zéro en faveur d'ASCO de Kara. Un but marqué sur penalty par Yere Justin, l'attaquant des condamnats de la Cosa. Les protégés de l'honorable Menya Singbe sont venus à bout des éléments du commandant Atekbe sur ce score étriqué d'un but à zéro, but marqué par Yere Justin sur penalty. À la 15e journée de la D1 qui vient de fermer ses portes sur la phase aller, ASCO, le leader, n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'ASOTR. La rencontre a eu lieu à Sokodé le samedi. Toujours ce samedi, Kakadel. Toujours ce samedi, s'il vous plaît, l'AS Bina et Dito se sont séparés également sur un match de parité, 0-0. Le dimanche, à Kara, Kakadel de la localité a dominé petitement AS Togoport en perte de vitesse depuis que son coach, Kegbalo Kojovi, a été limogé. Rien ne marche toujours pour ce
club de l'AS Togoport. Kakadel est venu donc à bout de l'AS Togoport sur le score d'un but à zéro. Toujours le dimanche, Semasi de Sokodé a pris le dessus sur Saraspor de Bafilo sur la marque de 2 buts à 0. C'est sur ce même score de 2 buts à 0 que l'ASK venu de Kara a tenu en échec les flèches pimentées Tambo de Dacha sur leurs propres installations à Atapame. Gomido local à Palimé a marqué un but face à Espoir et prend les 3 points de la journée. Sur le terrain de Pota à Anejo, l'AS Boulessou est arrivé difficilement à battre l'Unisport. Ils se sont partagés les points 2 buts partout sur ce terrain de Pota. Boulessou a arraché ce nul difficilement dans les arrêts de jeu sur penalty. À Lomé, l'entente de Lomé a disposé des anges de Notien sur un score étriqué d'un but à zéro. Un but qui sera marqué par Beba Honoré. Au sorti de cette 15e journée, ASCO garde la tête du classement avec 35 points plus 14, suivi de l'ASK de la même localité, Kara, crédité de 31 points plus 16. L'AS Bina, la surprenante équipe dirigé par Wadja Lantam, vient en troisième position, totalisant 27 points plus 9. Dito de Lomé est quatrième avec 24 points plus 7. Semasi de Sokodé totalise 23 points plus 5 avec un match en moins et est cinquième. Il est suivi en sixième position de son cadet Unisport de Sokodé avec 22 points plus 1. La SOTR de Lomé avec le même nombre de points mais un goal différentiel défavorable de moins 1 est septième. Boulessou d'Anejo avec 20 points plus 3 mais un match en moins qui va jouer ce match en moins contre Semasi est huitième au classement. Gomido de Palimé a 18 points et prend la 9e place. La 10e place est occupée par Espoir de Zio avec 16 points moins 3. L'AS Togoport vient en 11e position avec 15 points moins 4. L'Entente de Lomé gravit les échelons et passe à la 12e place avec 15 points moins 6. Kakadel de Défalé, crédité de 14 points moins 10, est 13e. Il est suivi de Tambo de Dacha avec 13 points moins 10. Et dans la zone rouge, nous avons Ange de Notien qui totalise 10 points moins 7. Et le bon dernier, Kakadel de Défalé, qui totalise 8 points moins 12. Voilà un peu résumé le classement de cette 15e journée qui ferme les portes sur la phase aller de la D1 Lonato. Le réajustement du calendrier fait par la Fédération togolaise de football amène les joueurs à aller encore sur les terrains
déjà ce mercredi. Déjà ce mercredi, la 16e journée aura lieu. Accara, l'AS Bina sera face au leader ASCO. À son côté, Semasi recevra Kakadre de Défalé. À Atapame, Ange Malampoint sera face à Sara. C'est le match des mal classés. Au municipal de Lomé, Dito réservera son hospitalité à Gomido et Zobibi de Palimé. Et FC Espoir de Zior recevra Tambo à Ablogame, toujours à Lomé. Et le jeudi, la SEK de Kara recevra Unisport de Sokodé à Kara. La Togoport attendra de pied ferme Boulessou d'Anero à Gbonsimé. Et enfin, la SOTR rencontrera l'entente de au municipal de Lomé. Voici le programme de ce mercredi 1er février 2023. C'est sur cette note du programme de la 16e journée que nous mettons fin à notre émission Sport et Santé de ce jour. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.